Première édition du tournoi de Maracana de l'amitié de l'émergence doté du trophée Nicolas Djibo le bâtisseur. 12 équipes des différents quartiers de la commune de Bouaké sont en compétition. En match d'ouverture, FC Djeda de Dar es Salaam a battu FC Souverain de Ngatakro par le score de 2-0. La finale est prévue le 27 décembre prochain. C'est déjà passé d'ailleurs. Le stade de Sagabo, au quartier Dar es Salaam, a accueilli la première édition du tournoi de Maracana, de l'amitié et de l'émergence doté du trophée Nicolas Djibo le bâtisseur. Durant une semaine, 12 équipes des différents quartiers de la commune de Bouaké vont aller à la conquête de cette coupe. En match d'ouverture, FC Djeda de Dar es Salaam en rouge opposé à FC Souverain de Ngatakro. Les deux équipes ont un jeu équilibré jusqu'à la 10e minute. Instant choisi par Traoré Mohamed Deco pour mettre fin au suspense. Il profite d'une mauvaise appréciation de la défense adverse et ouvre le score. Cette sueur froide va faire prendre conscience aux joueurs venus d'Ngatakro qui vont s'organiser en vue de créer la riposte. Mais la souveraineté de la cage du FC Souverain d'Ngatakro va être encore violée à la 13e minute, cette fois par Kone Ibrahim Adenga. À 2-0 pour le FC Djeda de Dar es Salaam, les choses sont plus que compliquées pour l'adversaire qui gagne son salut grâce au coup de sifflet de l'arbitre qui envoie les équipes à la pause. À la reprise, les attaques de part et d'autre sont neutralisées. Score final 2-0 pour le FC Djeda de Dar es Salaam. Etienne William Aldo, parrain du tournoi, a encouragé cette initiative de la jeunesse émergente de Dar es Salaam, appuyée par la jeunesse communale de Bouaké. Il invite les différents acteurs à faire prévaloir le fair play durant tout le tournoi. La finale de ce tournoi vous sera proposée dans nos futures éditions et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.